Salut! Si tu es tombé sur ce journal, c'est que tu te poses sûrement des questions sur l'alternance, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'étais dans la même situation que toi il y a un an. Ça, c'est moi. Je m'appelle Gladys et je suis chargée de communication plurimédia en alternance. Le nom de mon bachelor, c'est la même chose, chargée de communication plurimédia. Avant, j'avais peur. Peur d'accumuler toutes ces connaissances sans vraiment savoir quoi en faire dans le monde professionnel. Ça, c'est ce que je m'imaginais. Bonjour, je suis chargée de communication. C'est pourquoi cette année, j'ai enfin testé l'alternance. J'effectue mon alternance à l'Escape Game La 11e Heure à Dijon. Un escape game, c'est un mélange entre un jeu d'évasion et de résolution d'énigmes. En gros, les joueurs doivent résoudre des énigmes pour pouvoir s'enfuir de la salle. L'escape game La 11e Heure a été créé par plusieurs associés en 2017. Et ce qui est trop cool ici, c'est que le thème, c'est la magie. T'as vu tous les pouvoirs que j'ai? Bon, j'avoue, c'est du montage vidéo. Ça fait partie de mes missions, tu sais. Et des missions, j'en ai plusieurs. J'aide dans l'élaboration des plans de communication. Je préconise des achats d'espaces publicitaires sur le net. Je crée du contenu de communication visuelle et audiovisuelle. J'anime une communauté en ligne. Je cherche des partenaires. Je développe nos relations avec les médias. Et j'avoue que je regarde aussi ce que font les concurrents. Mes profs disent que ça s'appelle de la veille concurrentielle. Tu sais, tu pourras compter sur tes collègues pour t'aider, mais tu vas aussi apprendre plein de choses dans ton école. Tu auras peut-être une prof aussi cool que ma prof de communication. Ça motive, tu sais, pour participer au projet scolaire. La question que tu dois te poser maintenant, c'est qu'est-ce que l'alternance apporte vraiment, n'est-ce pas? J'allais y venir, t'inquiète pas. Gladys, n'oublie pas de générer des émotions chez ta cible. Gladys, tu dois connaître ta cible comme ta meilleure amie. Le fond de tes messages est plus important que la forme. Et ce que j'aime le plus, c'est quand les joueurs découvrent l'escape game grâce à mes actions de communication et qu'ils me font un retour positif.